Bonjour, bonjour, bienvenue au Capsule Info Accès Physio. Cette capsule s'adresse aux athlètes qui pratiquent le CrossFit. Donc aujourd'hui, une capsule sur le overhead squat, c'est-à-dire le squat avec la barre au-dessus de la tête. Petite histoire de cas que je vais vous conter. On a eu récemment un client, un patient, qui présentait des douleurs au niveau lombaire, au niveau du bas du dos pendant ce mouvement-là. Ce patient-là avait eu beaucoup de traitements auparavant avec d'autres thérapeutes pour traiter son bas du dos. C'est une excellente idée puisque la douleur était située localement dans le bas du dos. Puis il est venu nous voir parce qu'il y avait encore une petite douleur qui persistait pendant ce mouvement-là. En clinique, on a décelé qu'il manquait, il y avait deux points techniques pendant son squat qui favorisaient cette douleur-là au niveau du bas du dos. Donc, premier point technique. Je vais essayer de ne pas déchirer mon pantalon. Ça m'arrive quasiment une fois par mois. Fait que, allons-y doucement. Pendant son squat overhead comme ça, il manquait d'extension du haut du dos. Donc l'extension du haut du dos, c'est le mouvement qui permet de mettre la barre un peu plus au-dessus de la tête comme ça. Donc lui, il forçait beaucoup la barre en avant, beaucoup avec le bas du dos. Donc le haut du dos n'était pas assez mobile, pas assez flexible pour bien se positionner. Aussi, on avait décelé en clinique, on avait évalué qu'il manquait de dorsiflexion au niveau de la cheville. Donc il manquait de ce mouvement-là comme ça. Donc quand il faisait son squat, les genoux avaient de la difficulté à s'avancer vers l'avant, tout doucement comme ça. Donc, les genoux avançaient moins et il y allait plus en flexion du bas du dos pour éviter de tomber sur les fesses. Nous avons travaillé en physiothérapie beaucoup l'amplitude articulaire au niveau de ses chevilles et au niveau de son bas du dos. Et maintenant que son geste technique est beaucoup plus optimal pendant son overhead squat, et les douleurs sont pratiquement disparues. Donc voilà pour la capsule overhead squat. Merci beaucoup, chers athlètes de CrossFit. Et à une prochaine capsule.